Hello, hello, c'est Fabienne. Alors, j'ai envie de vous parler de la matière. C'est pour moi finalement le sujet principal de ma vie maintenant. C'est vraiment la matière, la communication avec la matière que je mets au cœur de ma vie. Parce qu'en fait, l'énergie n'a pas d'autre moyen de communication avec nous que la matière pour pouvoir nous aiguiller dans notre vie, pour mettre en lumière notre destin. Alors certes, on peut avoir des intuitions, mais on sait bien que le mental s'en empare assez vite pour dire oui, tu as eu cette idée-là, mais bon, ça peut pas se faire, tu rêves, voilà, c'est pas réaliste, tu pourras jamais le concrétiser dans la matière. Et donc, l'intuition, les idées peuvent être immédiatement récupérées, colorées et retomber dans des vibrations finalement assez basses parce que l'esprit clair n'est pas là. Alors, l'autre moyen que la vie et le monde de l'invisible a pour nous aider, pour nous aiguiller dans la mise en lumière de notre destin, de ce qu'on a à vivre, de ce qui nous est réservé comme cadeau, une fois qu'on aura épuré un certain karma et qu'on pourra partir vers le dharma, eh bien, c'est de passer par la matière. Alors pour ça, je vais vous parler d'une expérience que je trouve quand même particulièrement significative de cette communication avec la matière. Il se trouve qu'en soins de médecine symbolique, il y a de ça à peu près 3-4 ans, ce sont des soins qui se déroulent la plupart du temps dans notre lieu de vie. Et la thérapeute avait été dirigée vers des objets que j'achetais à Emmaüs. Et elle me disait, mais pourquoi t'achètes tous ces objets, non pas neufs, mais d'occasion? Et je lui avais dit au cours de ce soin, bah oui, c'est amusant parce que finalement, un objet, deux objets, trois objets, quatre objets, cinq objets, ben je m'étais rendu compte que c'était toute une panoplie d'objets anciens que j'avais pu voir chez ma grand-mère ou chez d'autres grand-mères que j'affectionnais particulièrement. Et le soin avait mis en lumière que je me projetais déjà dans une vie de grand-mère plutôt que dans une vie de femme. Donc à 45 ans, il y a quand même un problème de se projeter dans une vie d'une femme qui en a 70 ou 80. Les cycles de vie n'étaient pas respectés. Donc ça montrait qu'il y avait un frein à ma réalisation de vie de femme. Le soin était allé jusqu'au bout. Et comme acte psychomagique, sans que la thérapeute me le dise, j'avais rempli la voiture d'objets achetés à Emmaüs et j'avais tout rendu en disant ok, c'est bon, j'ai compris, je dois, il est effectivement bien meilleur pour moi de vivre ma vie de femme plutôt qu'une vie de grand-mère. Et il se trouve que, une semaine après avoir fait cet acte de tout rendre à Emmaüs,
Une amie m'appelle et elle me dit, Fabienne, toi qui vas tout le temps à Emmaüs, moi j'y suis jamais allée, est-ce que tu pourrais m'emmener? Sur le moment, je me suis dit, mauvais plan, mauvais plan. Et puis, je me suis dit, bon, bah, la vie te teste, tu vas y aller et puis tu vas rien acheter. Et il se trouve que cette amie qui m'avait proposé de partir à Emmaüs, c'est justement celle avec qui il y avait eu tout ce parcours d'objectivation d'une vie de femme mariée qui ne me convenait plus, qui ne m'émancipait plus. Et du coup, on s'était secondé, coaché, elle m'avait beaucoup aidé à traverser des étapes dans mon divorce. Je me sentais pas donc particulièrement en danger de réactiver des anciens programmes puisque justement c'était cette copine avec qui la libération s'était faite. Enfin, la libération, elle n'était pas tout à fait effective, c'est-à-dire oui, j'avais emménagé dans un appartement, mais en même temps, j'étais toujours pas divorcée. Mon divorce ne s'enclenchait pas. Les avocats réagissaient pas, ça se passait pas bien, j'étais obligée de changer d'avocat, enfin voilà, ça ne se concrétisait pas dans la matière. Et donc je pars à Emmaüs avec cette copine, et là, sur quoi je tombe, une magnifique armoire chinoise. Oh! Mais vraiment une magnifique armoire chinoise, comme j'en rêvais depuis longtemps. Et il se trouve que elle n'était pas donnée, elle était à 70 euros. Pour Emmaüs, c'est un certain prix quand même. Et puis elle avait un pied de cassé. Donc sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, laisse tomber, etc. Et puis mon ami me dit, mais quand même, tu sais, c'est pas très cher. Un meuble comme ça, c'est très sympa, ça a du style. Et puis, je m'étais dit, bah oui, je pourrais toujours couper les pieds, les quatre pieds de l'armoire et ça fera un très joli buffet. Donc, je l'achète. Et là, je me dis, mais comment je vais chercher mon armoire? Elle rentrera jamais dans ma petite voiture. Il se trouve que je me souviens que mon mari, qui n'était pas encore mon ex-mari, travaillait ce jour-là dans la même ville, que sa voiture était plus grande et je me suis dit, bah, entre midi et deux, je vais aller lui demander s'il peut me prêter sa voiture et en fait, tout a roulé comme sur des roulettes. Il m'a prêté sa voiture. Et les gars d'Emmaüs ont réussi à rentrer l'armoire au centimètre près dans la voiture de mon mari. Donc on pourrait dire chouette, tout va bien, c'est fantastique, tu as trouvé tes solutions, tout est fluide, c'est donc ça doit se faire, etc. Et puis il se trouve que comme l'armoire était dans la voiture de mon mari. Et comme il était accompagné de nos enfants ce jour-là, je me suis dit, mais moi, je ne peux pas aller les rechercher avec la voiture où l'armoire est dedans. Donc, je pars chercher toute la petite famille avec ma voiture personnelle vide. Tout le monde rentre dedans et on arrive à mon appartement. Et là, mon ex-mari m'aide à sortir l'armoire de la voiture. On essaye de la faire rentrer par l'escalier qui mène à mon appartement au premier étage et c'est pas possible. L'armoire est trop grande, on s'en sort pas et je suis obligée de laisser l'armoire dans mon garage. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je couperai les pieds un peu plus tard, je me débrouillerai tout ça, voilà, et je laisse l'armoire.
Et il se trouve que mes enfants m'ont dit, mais non, mais moi, maman, cette armoire, elle ne nous plaît pas, elle est noire, on n'en veut pas, elle sera pas bien dans l'appartement. Donc je l'ai laissée comme ça pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que une copine à qui j'en ai parlé me dise, mais c'est bizarre, t'arrêtes pas de parler de cette armoire. Montre-la moi en photo et là elle me dit, mais en fait Fabienne, c'est une armoire chinoise de mariage. Je dis, ben ouais, d'accord, ok, bon, très bien. Effectivement, quand on ouvre cette armoire, il y a un côté, tout est symétrique, il y a vraiment des étagères et des tiroirs qui pourraient laisser à penser que oui, il pourrait y avoir un côté pour l'homme et un côté pour la femme. Et plusieurs mois vont s'écouler et j'ai l'intuition qu'il faut que je me débarrasse de cette armoire, mais je n'y arrive pas. Parce que ma plus jeune sœur me dit, écoute, voilà, de temps en temps, je discute avec les parents et ils ne digèrent pas le fait que tu aies enclenché une séparation et un divorce. Ça revient sans arrêt et pour eux, ils ne digèrent pas ça. Et il se trouve que j'ai fait un autre soin de médecine symbolique où il m'a été parlé d'une pollution de lignée avec une femme qui aurait voulu se séparer, quitter son mari, et où en fait, eh ben, ça n'a pas été possible. Le regard de la famille a fait que cela n'a pas été possible. Le divorce s'est enclenché et j'avais toujours l'armoire, mais je suis allée jusqu'au bout du divorce. Et un jour quand même, j'ai pu comprendre, grâce à des synchronicités, qu'il y avait vraiment un problème avec cette armoire. Et alors c'est là où je vais vous parler de la matière, c'est que, en fait, j'avais tout le temps là dans la tête la chanson d'MC Solar où il dit, victime de l'empire du soleil levant. Et sans arrêt, j'avais ça dans ma tête, j'avais ça dans ma tête, j'avais ça dans ma tête. Ça revenait sans arrêt. Et un jour, j'ai compris. J'ai dit, mais c'est cette armoire chinoise, tout en bois, avec une porte où de chaque côté, il y a un demi-cercle et ça forme un cercle entier, comme le drapeau du Japon avec le soleil qui se lève. Et là, je me rends compte que ça fait des mois que j'essaye de me débarrasser de cette armoire. J'ai rappelé Emmaüs, ils m'ont dit on ne peut pas venir la chercher, on vous rappellera. J'ai essayé de la mettre sur bon coin, les photos ne se téléchargeaient pas. J'en ai parlé à une copine qui est venue avec son mari, leur voiture, l'armoire ne rentrait pas dedans. Voilà, j'ai essayé de multiples façons de me débarrasser de cette armoire. Et aussi parce que comme je l'avais payée 70 euros, je me suis dit j'en ai assez de sans arrêt avoir finalement des mésaventures financières qui fait que j'y laisse de ma poche. Je me suis dit mais pourquoi toujours payer pour recevoir un enseignement? Ben ouais, mais bizarrement, eh ben ça s'est absolument pas fait. Il fallait que je paye le prix, 70 euros, pour effectivement recevoir l'enseignement. Et on se dit finalement, qu'est-ce que c'est que 70 euros? C'est une consultation chez un psy ou je ne sais pas quoi, mais voilà, donc qu'est-ce que c'est que 70 euros pour finalement se libérer d'une pollution de lignée? Eh bien, n'empêche que je suis allée jusqu'au bout du bout du bout de cette histoire et de me rendre compte que je ne pouvais pas refiler cette armoire à quelqu'un. J'en étais porteuse de l'enseignement, c'est-à-dire que c'est une armoire de mariage avec un pied de cassé et que oui, c'était moi
qui avait cassé ce mariage et que et qu'on a le droit, que j'en avais le droit et que sous prétexte de pollution de lignée, de regard familial, eh ben, j'en portais la culpabilité. Sauf que cette armoire, où est-ce qu'elle était, cette armoire? Elle était dans mon garage, elle était dans ma cave. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans le dantien de l'esprit, elle n'était pas dans le dantien du cœur, elle était dans le dantien du corps. Et qu'il ne peut pas y avoir de nouvel homme dans ma vie si je mets dans le dantien du corps une culpabilité par rapport à un mariage que j'ai voulu rompre. Donc tout est dit dans la matière. Alors, c'est faux, je suis allée jusqu'au bout du bout du bout. C'est-à-dire que j'ai proposé à ma voisine de récupérer cette armoire. Elle m'a dit oui, je lui dis je te préviens, moi je la garde pas dans mon garage. Elle me renvoie le fait que justement j'accumulais des choses, d'Emmaüs, donc je veux m'en débarrasser. J'avais pas dit toute la symbolique par rapport au mariage. Bon. Et elle me dit, ok, j'ai fait de la place dans mon garage, amène-moi cette armoire, tout ça. Et là, je la porte avec mon fils et l'armoire se déstabilise, elle tombe et un pan latéral se casse. Donc la voisine arrive et me dit, ben non, moi, franchement, je ne sais pas réparer ça, je peux vraiment rien en faire. Donc là, il m'est apparu très clairement qu'il fallait que dans la réalité, dans la matière, j'assume complètement d'avoir cassé ce mariage et du coup de casser cette armoire. Alors j'avais qu'un tout petit marteau et j'ai tout pété au marteau. J'ai tout cassé. Elle a été dépecée en tout petits bouts de bois que j'ai mis dans ma voiture. Et la chose incroyable qui s'est passée, c'est que j'ai démarré la voiture, j'ai fait un demi-tour pour pouvoir me mettre dans le sens de la rue qui partait vers la déchetterie. Et là, une voiture me passe devant. Et sur la plaque minéralogique était écrit à gauche EX, et à droite les initiales du nom et prénom de mon ex-mari. Puisque là, effectivement, bah, c'est vraiment mon ex-mari, j'étais vraiment divorcée. Cette voiture, elle a avancé à 2 à l'heure. Que je puisse savourer que la matière me disait, ça y est, Fabienne, tu es libérée, tu as libéré cette zone-là d'une culpabilité. Et c'est fait. Donc, tout ça pour vous dire que c'est absolument divin. La matière nous parle au millième de seconde près. Tout nous est donné dans les mots, dans les objets, dans les chansons qu'on va écouter et qui nous trottent dans la tête. Tout nous est donné. Mais tout nous est donné pour comprendre les messages, mais aussi pour voir qu'il y a de la lignée derrière, hein, que c'est pas si facile que ça de se libérer. Mais surtout, qu'on a un contrat avec nos lignées. C'est-à-dire que, quelque part, quand on s'incarne, on s'incarne pas dans n'importe quelle famille et que toutes les femmes qui ont été là avant nous, dont on est issu, dont on porte les marques génétiques, eh bien, elles sont encore là spirituellement parlant, pour nous dire, on le sait, c'est toi qui vas nous libérer. Donc il y a comme un contrat, mais ce n'est pas un contrat d'enfermement,
C'est un contrat de libération. Et pour que cette libération se fasse, moi, je passe par la médecine symbolique, par les soins de médecine symbolique. Et je peux vous dire que c'est efficace. Alors évidemment, il y a énormément de femmes dans la lignée, imaginez. C'est impressionnant. Et on pourrait se dire, mais alors il va falloir faire combien de soins? Parce que chaque femme de ma lignée n'a pas eu qu'une blessure. Il peut y en avoir deux, trois, cinq. Voilà. Mais non, en fait, il ne va pas falloir faire des soins à répétition, sans arrêt, etc. Parce que, de par mon expérience, je m'aperçois qu'on n'a pas on n'endosse pas en s'incarnant toutes les pollutions de la lignée. D'abord, il peut y avoir des sœurs dans la fratrie et on voit bien que nos vies ne se ressemblent pas complètement par rapport à la vie de couple, par rapport à la maternité. Par rapport aux professionnels, on peut avoir des vies complètement différentes. Donc, on voit bien qu'on n'est pas porteuse des mêmes pollutions lignées. Chacune prend en charge une certaine dette, une certaine patate chaude, comme dirait Anne-Ancelin Schützenberg, je crois bien, qui a fait un livre qui s'appelle « Aïe mes aïeux ». Et donc, on ne prend pas toutes en charge les mêmes brûlures, les mêmes blessures, les mêmes patates chaudes. Chacune s'incarne dans la fratrie en disant « Ok, moi je vais porter telle et telle blessure et je vais rencontrer telle et telle difficulté dans ma vie. » Donc, très sincèrement, je suis allée au bout de ce divorce. Et déjà, dans la matière, j'ai libéré quelque chose, même si ça a été très long. Hein, je pense que j'ai mis au moins 5 ans à poser la signature. Et ensuite, je pense que cette expérience me montre que dans la matière, il y avait vraiment dans la lignée l'idée que même si je posais l'acte de la séparation et du divorce, il y avait comme une entrave dans l'idée que de toute manière, tu ne pourrais pas retrouver un autre homme. Donc, soyez bien en observation d'un état des lieux de votre vie dans des divers domaines, hein, mais il n'y a aucune raison que la matière nous prive d'une abondance. Les Vikings disaient que l'abondance, c'était dans la matière le signe qu'on était bel et bien en train de mettre en lumière son destin. Donc il n'y a aucune raison que le professionnel, que le domaine de l'amour, de la maternité, etc., etc., il n'y a aucune raison de ne pas connaître l'épanouissement. Donc, si un de ces domaines est entravé, s'il n'est pas épanoui, eh ben on peut en faire la demande à la vie. Et par la médecine symbolique, par les demandes qu'on pose en début d'un soin, eh bien vous allez avoir des réponses très concrètes. Et ensuite, des actes psychomagiques à poser dans la matière pour informer l'univers que ça y est, c'est bon, vous avez compris, vous avez intégré. Donc là, c'est l'acte que j'ai posé en pétant cette armoire et en me disant, bah, tant pis, je ne me rembourserai pas, ça m'aura coûté 70 euros. Mais
L'enseignement est précieux et il vaut bien ce prix-là. Ma libération et la libération également de ma lignée qui me suit, ça vaut bien ce prix-là. C'est un vrai cadeau que d'entrer en conscience que derrière nous, il y a eu effectivement beaucoup de souffrances féminines, beaucoup d'entraves, beaucoup d'empêchements culturels, etc., etc. Et que chaque génération porte la responsabilité de libérer un petit peu plus les individus. Voilà. Hein, pouvoir se libérer et pour pouvoir être et réellement être. Donc je vous embrasse bien bien fort. Et vraiment, je vous dis, mais observez la matière, elle vous dit tout. La matière est notre amie, elle ne ment pas. Elle est vraiment un cadeau que nous fait le divin pour comprendre là où on en est et quelles sont les prochaines étapes pour aller vers l'être. Je vous embrasse bien fort. Ciao!